5 nouveaux arcanes sont arrivés tout dernièrement lors de la mise à jour 32.3, le dernier sous-titrine, et dans cette vidéo nous allons voir plusieurs choses. Comment les obtenir, quels sont leurs effets, quand les utiliser, et mon avis personnel. Bref, c'est parti. Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo sur les 5 nouveaux arcanes qui sont arrivés à la mise à jour 32.3 et Dieu sait que c'était long de les avoir ceux-là. Et nous allons commencer d'ailleurs par le sommaire, nous allons commencer justement par la partie obtention, où est-ce qu'on les obtient. Il y a deux façons de les obtenir, enfin deux lieux qui sont un petit peu liés entre eux, puis nous verrons les 5 arcanes. Et oui, il n'y en a pas que 4 cette fois-ci, il y en a 5. Parenthèse secondaire, effet secondaire, balle blindée principale, arcane repli, et arcane inébranlable. Vous voyez un petit peu, deux secondaires, une primaire, et puis deux arcanes classiques, donc pour Warframe. Nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux précédentes fois où je présentais justement des arcanes. Je vais un petit peu prendre plus de temps pour détailler la place que possède cet arcane au sein du jeu. Mais avant toute chose, souvenez-vous de quelque chose qui est très important, c'est que les arcanes, comme les mods, comme plein d'autres choses sur Warframe, sont des outils. Ils vous servent à réaliser une tâche en particulier. Et c'est toujours très intéressant justement de les garder en tête, parce qu'avec les mises à jour qui vont arriver, peut-être qu'il va y avoir des interactions entre tel pouvoir de Warframe avec tel arcane, ou justement une Warframe qui est assez ancienne, et qui justement peut-être avec, ou un pouvoir de Helmint, peut-être avec le bal principal, bal blindé principal, peut-être que ça devient être un petit peu utile de l'avoir, quelque chose comme ça, ou certains modes un petit peu oubliés, des modes corrompus notamment. Bref, je dis ça à tout hasard. Comme d'habitude, vous avez le sommaire aussi présent dans la barre de lecture de YouTube, comme ça si vous souhaitez juste aller directement sur chaque arcane rapidement, de sauter de l'un à l'autre, vous pouvez très simplement. Aussi, vous avez tous les moyens pour soutenir la chaîne, vous avez les liens vers Tipeee et Utip pour aider justement la chaîne a perduré au moins le mois et a fait en sorte que justement il y ait de plus en plus de vidéos sur Warframe que des vidéos sur Warframe pendant encore des années. Merci encore à tous les supporters. Aussi, petite note, ce soir à 19h sur Twitch, je serai en live avec le devstream numéro 169, en train de commenter le devstream 169. C'est le devstream sur les 10 ans de Warframe, méga important. Donc si vous regardez cette vidéo là, on va y arriver, le mercredi 22, rejoignez-moi à partir de 18h45, attention, ça commence à 19h. Horaire qui change parce que les Canadiens, ils ont déjà changé d'heure. Nous, c'est ce dimanche, ouais. Pas la nuit de samedi à dimanche. Allez, on y va. Nous allons commencer avec l'obtention de ces 5 arcanes et rendez-vous au col de Tian sur Mars, justement, version normale ou version style pass. C'est vous qui voyez selon votre stuff. Je vous recommande le style pass, bien entendu. Vous pouvez gagner des essences d'acier et les taux de drop ne sont pas exactement les mêmes, ouais. Mais vous avez aussi un autre lieu, mais l'autre lieu est très dépendant du tout premier. Voilà, la défense miroir sur Mars et le magasin de TAC sur Necralisk, c'est celui qui s'occupe du minage. Le minage qui permet justement, grâce aux fragments justement de cristal de Rania et de Belric, vous permettent justement de choper les arcanes en question. Cependant, pour obtenir justement ces cristaux, il faut faire la défense miroir. Voilà. Même si les taux de drop ont été légèrement modifiés, je dis légèrement modifiés parce que bon, le patch note disait que c'était à l'avantage des arcanes, moi je dis que c'est un tout petit avantage pour les arcanes, je vous conseille de vraiment poncer la mission. Voilà, voilà. Récupérer éventuellement des arcanes, récupérer les parties de citrine, des armes notamment, qui sont aussi justement sur la même mission. Et ensuite, vous complétez, voilà, si jamais vous êtes intéressé par tous les arcanes, bon courage, parce que moi ça m'a valu quand même pas mal de missions tout ça. Si vous recherchez qu'un seul arcane ou deux, tant mieux justement, comme ça vous allez pouvoir justement aller rapidement justement droit au but, ouais. L'arcane parenté secondaire, c'est le premier que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo et il donne pour les armes secondaires de la chance de critique par amélioration reçue nous-mêmes ou les alliés. Un petit peu, voilà, voilà. Les améliorations, c'est quoi? C'est tout ce qui est donné, vous est donné vous-même, à vous-même ou aux alliés, des bonus depuis vos pouvoirs.
Voilà. Par exemple, sur Citrine, on a la deuxième compétence qui permet d'obtenir plus de résistance aux dégâts. Et vous avez bien entendu la gemme prismatique ici même qui vous donne du boost concernant le statut, durée de statut, chance de statut. Donc ça fait deux améliorations supplémentaires. Et qui plus est, des améliorations qui peuvent être pour les alliés, si tant est qu'ils soient dans la zone justement. Donc, à chaque fois qu'il y aura une amélioration donnée à une personne, c'est-à-dire que si vous êtes deux et si vous avez un pouvoir qui donne pour tout le monde, ben, c'est pas plus 20%, on multiplie par 2, plus 40%, et ainsi de suite. Il y a certaines Warframes qui ont beaucoup plus de potentiel avec justement cet arcane-là. Ici, avec Citrine, j'ai pu obtenir des 160, 200% parfois. On était 4, ma foi. Solo, ça peut pas monter grand-chose. Ici, de base, je suis à 20% avec Citrine, avec la première, la deuxième compétence et la troisième, je monte seulement à 60%, mais théoriquement il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de durée limite à proprement parler, vu que tant que vous avez une amélioration, justement, le compteur monte à 20 à 40. Par contre, si vous perdez l'amélioration, vous redescendez justement à plus de 20% de chance de crit, voire même si vous n'avez aucune amélioration, ben justement l'arcane ne fait rien du tout. Ouais. Donc, pas de durée, pas de limite, pas de cap, ça dépend intégralement de vos pouvoirs qui améliorent vos pouvoirs de buff, comme on dit. Alors, quelle est la place au sein du jeu justement de cette arcane là? Eh bien, on va le comparer, parce que bien sûr on est sur une arme secondaire, enfin sur les armes secondaires, on donne de la chance de critique, on va comparer avec manœuvre de pistolet accru, eh oui. 187% de chance de critique, ce qui équivaudrait donc à 9 améliorations à devoir justement obtenir, de préférence, parce que bon, ça fluctue un petit peu, plus ou moins, donc il vaut mieux peut-être un petit peu être au-dessus quoi. 9 améliorations en étant solo, c'est vraiment pas... non. C'est vraiment pas le bon bail quoi. Ouais. Si vous jouez solo, n'y pensez même pas à cet arcane là. Mettez manœuvre de pistolet accru, vous l'aurez tout le temps, le buff est beaucoup plus élevé. Par contre en multi, ça dépend. Si vous êtes 4, rien qu'avec Citrine déjà, j'ai pu faire mieux que... j'ai fait du 200%. Je sais pas si on le reverra justement sur le gameplay. Mais j'avais juste 3 buffs sur 4 personnes, 3 x 4... 12 simplement, donc on peut monter potentiellement vachement haut juste avec 3 buffs. On peut monter beaucoup plus haut avec Octavia notamment, ouais, Octavia avec toutes les versions justement de la troisième compétence. Mais bon, faut un petit peu aligner les étoiles pour arriver à tous les avoir en même temps. Si vous avez notamment un fusée, peut-être une compétence, je sais pas si j'ai testé, mais logiquement ça devrait être le cas. Ouais, j'ai 220% là en ce moment, ouais. 240% même en ce moment, tout le monde est assez regroupé. 240% de chances de critique, donc c'est effectivement mieux que manœuvre de pistolet accru. Mais j'ai pas choisi cette mission au hasard d'ailleurs, une défense mobile généralement on reste un petit peu paquet, et étant donné que Citrine a des pouvoirs justement un petit peu de zone, ça permet justement d'obtenir plus facilement justement une valeur assez haute. Voilà, multi uniquement si vous faites du solo, moins le cas. Donc zioter si jamais dans le futur on a des possibilités plus accrues justement d'avoir des améliorations, plus d'améliorations encore, auquel cas cet arcane deviendra encore plus fort. L'arcane effet secondaire, encore pour arme secondaire, comme son nom l'indique, vous donne 24% de chance d'avoir un deuxième effet de statut aléatoire sur effet de statut. Voilà. Donc ça dépend très fortement de la nature de votre arme secondaire. Effectivement, si vous avez une arme secondaire qui n'est pas capable de proc du statut, eh bien vous n'aurez un petit peu moins qu'une chance sur 4 d'avoir un deuxième effet. C'est pas forcément foufou. Une arme qui est bien dans le statut, une arme qui est bien côté cadence de tir, côté tir multiple aussi, ça peut être assez pratique. Pile poil les comacs jumeaux, ou les comacs normaux par exemple. Et oui, c'est capable de faire tous les effets de statut sauf le néant. On peut pas avoir de l'effet de statut néant qui pop de nulle part, du néant. On peut choper des stacks de virales. Comme vous le voyez sur l'arme, je n'ai que du dégât physique. Je n'ai aucun mode élémentaire. Par contre, j'ai blindé en chance de statut et en tir multiple. Et au moindre tir, justement. Alors là, encore plus, justement, avec gemme prismatique de Citrine. C'est vraiment un bonheur, justement. Le moindre tir, et c'est tout de suite trois lignes littéralement, d'effets de statut qui apparaissent, quoi. Incroyable. Bon.
Cet arcane là, est-ce qu'il est bien? Et ben, comme on l'a dit, il faut avoir la bonne arme déjà au départ. Hein. Faut avoir une arme avec de la cadence, du tir multiple, de la chance de statut, mais ça dépend aussi des autres. Hein, voilà. Les comax, c'est pas forcément un taux extrêmement... Enfin si, ils sont quand même bien en effet de statut, mais ils ont déjà du multishot. Et ouais. Ils sont bien en plus dans le tranchant, c'est nickel. Une arme qui aurait une faible cadence, un tir multiple de 1, comme la majorité des armes, ouais, malheureusement, c'est pas forcément très terrible. Hein. Et une cadence très faible aussi, ouais. Le tout, c'est de faire du statut par seconde, c'est-à-dire que vous multipliez votre cadence par le statut. Il faut que cette valeur soit quand même assez intéressante, et encore plus si vous avez du tir multiple. Ça va de pair aussi très bien avec tir galvanisé. Pourquoi? Bah parce que ce mode-là permet de rajouter du dégât sur tir direct uniquement. Attention, si vous faites, si vous avez une arme qui fait des dégâts de zone, ça ne marchera pas. Pour chaque type de statut affectant la cible. Paf. Alors là, vous vous demandez combien il fallait avoir de statut? La réponse est oui. La réponse est oui, vous allez en avoir là. Si. Surtout en plus avec... notre chat ami Citrine, ça va bien ensemble. Alors, en même temps, ils sont sortis sur la même mise à jour. Hein. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. L'arcane balle blindée principale, le seul arcane du pool ayant justement pour cible les armes principales, vous allez avoir un bonus de dégâts par balle chargée suivant la taille du chargeur. Et ça, pendant 10 secondes, ça proc sur rechargement. Oui, quand vous allez recharger, le jeu va se demander, alors... combien de munitions tu vas recharger par rapport à ton chargeur? Alors si vous êtes adepte de recharger après juste 2 balles tirées, cet arcane là il faut l'oublier quoi. Ça c'est vraiment l'arcane anti-réflexe, je recharge alors que j'ai juste tiré 3 balles, alors que j'ai encore 60 dans le chargeur. Terrible. Les additifs à dentelure et point tips pour savoir où est-ce qu'on en est, parce que bonus de dégâts par balle, chargé suivant la taille du chargeur, combien on a de dégâts exactement, là c'est, le jeu ne nous dit rien du tout, et heureusement que les gens ont taffé sur le wiki pour justement éclaircir la question, c'est à partir de 25 de capacité de chargeur que justement vous êtes équivalent à dentelure, 165% de dégâts de base, voilà. 25 de chargeur, donc c'est pas forcément... Moi je pensais qu'on allait directement être dans les 60, 60 et plus de chargeurs comme prérequis, enfin prérequis, pour vraiment avoir un bénéfice supplémentaire par rapport à dentelure. Mais non, finalement, 25 de chargeur suffit. La formule est un petit peu particulière, on peut pas vraiment dire que c'est une certaine quantité, il faut faire le... Enfin bref, on peut pas dire que c'est le ratio non plus ou quoi que ce soit. Bref. Tout ça pour dire que, voilà, gardez en tête que si vous avez moins de 25 de chargeur, ce n'est vraiment pas utile de mettre cet arcane-là. Surtout que, il est temporaire, hein, 10 secondes de buff sur recharge. Donc autant vous dire qu'il y a peut-être encore plus de paramètres. Il faut peut-être s'éloigner du 25 de chargeur déjà, pour avoir un bénéfice quand même notable par rapport à dentelure. Il faut quand même avoir une bonne cadence et une vitesse de recharge qui soit pas trop mauvaise. Parce qu'en l'espace de 10 secondes, il va falloir quand même profiter un maximum justement de ce buff là. Admettons en 10 secondes, vous débitez, je sais pas, même pas un quart de votre chargeur. Il va y avoir un petit problème. Vous avez passé juste 10 secondes avec juste un quart du chargeur et puis après tout le reste, vous n'allez pas avoir ce boost de dégâts de base. Surtout si vous avez remplacé justement d'enclure par cet arcane là. Donc faites bien attention avec encore une fois quelle arme vous utilisez. Avec justement balle blindée principale, il est plus intéressant que dentelure dans certains cas de figure justement. Bah là pas sur le jeu, on vient juste de le détailler d'ailleurs, hein, c'est terrible. Hein. Regardez votre arme, sur la Soma il n'y a aucun problème, sur la Soma. Gros chargeur, Supra notamment, pareil. Le Velt, 26 de chargeur, ouais. Par contre, la cadence n'est pas forcément très haute, donc les 10 secondes, généralement, ça part rapidement et justement, on perd le buff avant d'être à la prochaine recharge. Voilà, voilà. Idéalement, dans le monde idéal, il faudrait éventuellement que 10 secondes, ça soit le temps où vous allez débiter toutes les balles de votre chargeur. Voilà. Auquel cas, vous allez tirer à fond les ballons, recharger, avoir le buff, tirer à fond les ballons, reprendre le buff à nouveau et vous n'aurez aucun temps mort. Voilà. Et qui plus est, avoir au minimum 26 de capacité de chargeur. Voilà. Est-ce que le bazar il rentre dans le... Ouais, il devrait rentrer là dans le...
dans les clous, le bazar. Au pire des cas, vous avez un mode, un très ancien mode. D'ailleurs, j'en profite parce que je rebondis sur ce que j'ai dit en tout début de vidéo, après le sommaire. Vous avez un mode, justement, alors malheureusement, il a un contre-effet un petit peu gênant, un mode corrompu qui permet de gagner de la taille de chargeur à la contrepartie de la vitesse de recharge. Bon, la vitesse de recharge, vous avez des pouvoirs qui permettent justement de contrecarrer les choses, qui permettent d'augmenter la vitesse de recharge, ça c'est pas un problème. Par contre, des pouvoirs qui permettent d'augmenter la capacité de chargeur, ça c'est un petit peu plus délicat ça, ouais. À vous de voir, les outils existent, à vous de voir si vous allez les utiliser ou pas. L'arcane repli, allons sur les Warframes un petit peu, qui vous donne 25% de résistance aux dégâts sur chacun des mouvements suivants, double saut, esquive, saut propulsé. Le double saut vous donne 25%, l'esquive vous en donne 25 de plus, et le saut propulsé vous en donne encore 25 de plus. Tout ceci pendant 4 secondes, c'est bref, et vous n'avez même pas d'indication justement de savoir où est-ce que vous en êtes, quand est-ce que le double saut je l'ai fait, tout ça, tout ça. Vous n'avez aucune indication visuelle là-dessus, vous savez juste que vous êtes à 75% comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc vous faites le compte, 75% de résistance au max. Je l'ai testé avec Citrine, parce que Citrine, très rigolo, parce que vous avez déjà de la résistance aux dégâts, un petit peu de résistance. Donc de la résistance plus de la résistance est égal à une valeur de dégâts qui est beaucoup moindre. Et si je n'avais rien de tout ça, je serais en train de faire la carpette, comme sur le côté, en moins de 2, voilà. Donc finalement, cet arcane, pour être honnête avec vous, j'en avais un avis assez mitigé au départ. Je me suis dit, bon, de base, en faisant des doubles sauts, des esquives, des sauts propulsés, vous êtes naturellement plus difficile à toucher. C'est naturel, c'est, voilà. Si vous faites le piqué, malheureusement, les ennemis ont une précision qui est justement un petit peu ajustée en fonction de ce que vous faites comme mouvement. Mais je me suis dit, voilà, en faisant un petit peu le guignol comme ça dans le simulacre, je me suis dit, ah, en fait, c'est... Alors déjà, un, on prend quand même des taquets, parce qu'on a quand même pas mal de mobs qui vous tirent dessus. Et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Sachant que la résistance côté Citrine n'était pas forcément... n'était pas maximale non plus, quoi. Donc c'est bien pour, histoire de doublonner, à tout hasard, adaptation, à tout hasard, justement, la deuxième compétence de Citrine, ça peut être intéressant aussi. Donc, on est encore d'ailleurs sur la place sur le jeu. C'est intéressant justement pour des Warframes qui ont peut-être pas forcément 36 000 méthodes pour tanker, voilà, ils n'ont peut-être que adaptation disponible en termes de mode, et puis après on n'a pas forcément de pouvoir pour aider. Citrine a déjà son pouvoir, son deuxième pouvoir, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'autres Warframes qui n'ont pas de pouvoir pour tanker à proprement parler. Si la Warframe possède déjà une capacité pour tanker, une Mesa, ou bien d'autres frames, bien d'autres compétences qui permettent de résister aux dégâts, ça peut être intéressant pour être encore plus, justement, encore plus tanky tout ça. Je me demande à quel point on peut résister quand même, avec tout ce qu'on a à disposition à ce jour-là. Et je suis sûr qu'en combinant la totalité, les résistances aux dégâts, l'évasion aux dégâts, l'esquive, à mon avis... On peut être intouchable, et la moindre balle qui nous touche, bah, ne fait pas grand chose, quoi. Au pire des cas, fait du shield gate. Voilà. L'arcane inébranlable, le dernier de la série. 20% de chance d'avoir aucun coup sur les 3 prochains pouvoirs. Ouais. Et ça se déclenche comment? Sur le lancement de pouvoir. Comme vous êtes en train de le voir, c'est en train justement d'essayer, ça essaye. Et ça y est, si vous connaissez déjà ce visuel, eh bien, c'est vraiment copier-coller de, justement, du Xenoic, ouais. Du fameux actif, enfin actif, non, c'est plus un passif. Le passif Xenoic qui permet d'avoir 0 de coup sur la prochaine compétence. Là, vous en avez 3, donc les 3 prochains, voilà. Bah, je peux le relancer au petit bonheur de la chance juste après, je l'ai à nouveau. Vous pouvez caster 3 pouvoirs qui coûtent cher en question, 3 ultimes de Citrine à la suite, et voilà, ça ne fonctionne aucun point d'énergie. Là, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. On peut en faire beaucoup de choses avec juste 100 d'énergie, un petit peu plus. C'est non rafraîchissable et les drains sont non affectés. Là où ça touche, c'est au niveau du coup initial. Ouais. Vous avez un coup initial et ensuite vous avez un coup dans la durée. Et bien le coup dans la durée, lui, n'est pas nullifié. Par contre, le coup initial le sera. Ce n'est pas rafraîchissable, ça veut dire que les 3 compétences que vous allez utiliser ne peuvent pas
déclencher justement les trois prochains pouvoirs justement nullifiés. Bon, auquel cas, ça aurait été un petit peu fumax, et je pense que vous auriez passé votre temps à spammer les compétences sans être inquiété de votre énergie. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est... Alors, justement, à la place au sein du jeu de cet arcane-là, c'est mieux, c'est moins bien que l'arcane énergétique? Waouh, c'est pas pareil. Hein. L'arcane énergétique, c'est bien parce que ça permet aussi aux alliés d'en profiter. Voilà, notamment. Cet arcane-là, c'est intéressant si vous avez une compétence comme Citrine, le 1 de Citrine que vous pouvez spammer, que vous avez une certaine utilité à faire. Ça, oui, ok, là, il y a vraiment aucun problème. C'est utile aussi lorsque vous avez des pouvoirs coûteux, que vous utilisez couleur aveugle. Donc ça fait plein de paramètres à prendre en jeu. Et je dirais que peut-être plus en solo, cet arcane est intéressant. En multi, si vous avez de l'arcane énergétique, parce que tout le monde n'a peut-être pas d'arcane énergétique à vrai dire. Si vous avez la chance de l'avoir, justement l'arcane énergétique, vous avez beaucoup plus de bénéfices à rendre de l'énergie aux alliés, justement. Donc à vous de voir de peser le pour, de peser le contre, c'est 20% de chance. Voilà, faut quand même lancer des pouvoirs avant pour déclencher l'arcane. À vous de voir si ça peut être intéressant. Ouais. Pouvoir coûteux, plus éventuellement une compétence qui est facile à spammer et qui coûterait moins que 25 d'ailleurs au cast. Voilà, qui du coup, avec Koala Aveugle, ne serait peut-être pas forcément très coûteuse à faire. Ou sinon, vous pouvez comboter d'ailleurs. Vous pouvez comboter, ouais. Ah ouais. Avec d'autres effets qui pourraient rendre justement... Ah là là là. Je sais même pas si ça trigger avec l'augmente du 3 de vos bancs. Parce que l'augmente du 3 de vos bancs permet de relancer justement un pouvoir. Est-ce que c'est vraiment relancé ou est-ce que c'est vraiment une deuxième frappe? Deuxième frappe tout court. Bref, voilà. À vous de voir, comme d'habitude, ce sont des outils. Les arcanes sont des outils à votre disposition sur Warframe. Ils sont parfois utiles, parfois pas utiles. Lorsque vous avez une mallette à outils, ou vous avez un tournevis, un marteau et d'autres outils, malheureusement, on ne peut pas comparer tout en même temps. Chacun est utile dans certains cas de figure. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, partagez vos avis justement au sujet de ces 5 arcanes-là, posez vos questions dans la partie commentaires, passez le bonjour, c'est avec plaisir comme d'habitude qu'on discute ensemble dans la partie commentaires, qu'on passe le bonjour, comment ça va, bien, quel est le temps? presque bien entendu. Et bien entendu, vous pouvez me retrouver, comme vous le voyez derrière, sur Facebook, sur Twitter, sur Discord, sur Twitch, vous avez tous les liens présent dans la description, et si vous avez envie de soutenir ce boulot depuis 2015, la vache, ça fait bientôt 10 ans, Warframe ça fait 10 ans, moi, dans 2 ans, ça fera 10 ans. Allez, merci à vous encore d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure sur Twitch pour le DevStream 169 des 10 ans de Warframe. En attendant, bah, portez-vous bien, farmez bien, ciao ciao tout le monde.